Je suis historien du Moyen-Âge et même du basculement entre le Moyen-Âge et la Renaissance, de ce moment effectivement qu'on peut par exemple désigner sous le terme d'invention de l'imprimerie et d'essor des cultures de l'écrit. Évidemment, c'est un référent ou comparant très commode. Je vais essayer de l'utiliser, mais je l'utiliserai modérément. Parce que je pense effectivement que ce genre de comparaison, elle obscurcit tout autant qu'elle éclaire, au fond, les questions qui sont nôtres aujourd'hui. Alors, vous dites explosion du numérique, vous dites une révolution numérique qui va au futur, encore devant nous, bouleverser nos vies. Et c'est la première question que je me pose, au fond, et que je voudrais vous poser, vous qui êtes. Contact de la société. Je parlerai ici en tant qu'historien, mais aussi en tant que pédagogue. Voilà. Je suis enseignant, donc j'ai affaire avec Internet. J'ai eu à changer les méthodes d'enseignement, également pour les étudiants d'exploration bibliographique, etc. Et puis, j'agirai aussi, enfin, je parlerai seulement comme quelqu'un qui travaille sur le Moyen-Âge, mais qui est par ailleurs d'un âge moyen, assurément plus jeune, mais pas non plus complètement un vieillard, disons, en gros, qui sait se servir d'Internet, de tout ce que vous voulez, mais qui s'est arrêté à Facebook, ça je fais pas, Twitter, ça je fais pas. Mais au fond, bon, je vous dis quel âge j'ai. Quel âge avons-nous dans la révolution numérique? Ça, c'est la première question. Les historiens savent que lorsqu'une révolution s'achève, les derniers à le savoir, les derniers à être au courant, ce sont les révolutionnaires eux-mêmes. Et que d'une certaine manière, il y a un jour où on se réveille et où on se dit « mais c'est fini depuis longtemps ». La révolution numérique, c'est peut-être déjà le cas. Vous avez remarqué que les économistes sont en train aujourd'hui de tester une hypothèse qui est que si la croissance mondiale est en panne et apparemment, malheureusement, durablement en panne, c'est qu'elle n'est plus tirée par une mutation technologique comme elle l'a été depuis 20 ans. Et si on y réfléchit, au fond, est-ce qu'on... Voilà, ça fait quelques années où toutes les keynotes d'Apple déçoivent. Ou d'une certaine manière, on continue du point de vue technique, des objets. On continue à utiliser des objets qui s'améliorent, mais on ne peut pas à proprement parler de révolution, simplement d'évolution. Pour moi, mais peut-être je me trompe, peut-être je suis déjà trop vieux, le dernier objet qui a véritablement révolutionné ma vie, c'est l'iPod. Voilà, ça a changé ma conception de ma manière de marcher dans une ville, d'écouter de la musique et bien au-delà. Mais depuis, il n'y a aucun objet qui n'ait été autre chose pour moi que la déclinaison de cet objet révolutionnaire. Et on pourrait dire la même chose, effectivement, d'Internet, mais ces deux choses dont je parle ont 10 ans. Donc, des choses qui sont installées depuis 10 ans, on n'est plus nécessairement dans un tempo révolutionnaire. Ça, c'est la première question, effectivement, qui est celle de la conjoncture. La deuxième question, c'est celle de l'obsolescence, au fond, des médias, qui est la grande question. On va y venir, sans doute, lorsqu'on parlera, évidemment, des rapports aujourd'hui mortifères entre le papier et Internet. Je dis aujourd'hui mortifères parce qu'on peut toujours espérer qu'un jour on trouve un modèle économique qui fait progresser dans le même sens le journal papier et la consultation Internet, l'édition de livres et les contenus numériques, mais pour l'instant ce modèle économique n'existe pas. C'est-à-dire que pour l'instant, Internet, je sais bien que je travaille dans l'édition, détruit la civilisation du livre. Voilà, c'est pas une catastrophe en soi, mais c'est ce que nous avons devant nous. Bon,
La question donc est celle de l'obsolescence des supports et des médias. C'est-à-dire, devons-nous craindre, par exemple, la fin du livre, après le livre, comme dit François Bon. C'est vraiment une question sérieuse. Je dis les médias et les supports, car les deux doivent être, à mon avis, strictement distingués. J'entendais avant-hier à la radio, justement, quelqu'un, expert, dire d'une voix autorisée que Netflix allait évidemment éliminer en quelques années l'industrie du disque. En vérité, nous n'en savons rien. Et il s'exprimait sur un média, la radio, dont des gens tout aussi assurés que lui disaient à la naissance de la télévision qu'évidemment, à partir du moment où on pouvait avoir la chance non seulement d'entendre les gens, mais de les voir, et bien la radio n'avait plus que 5 ans de l'espérance de vie devant elle. Ce n'est pas évidemment ce qui s'est passé, pas du tout, et même au contraire. Aujourd'hui, c'est plutôt la télévision en flux qui est menacée. C'est la première idée qui est absolument, à mon avis, enfin, en tout cas fondée dans l'histoire. La naissance d'un nouveau média ne remplace pas celui qui le précède, mais vient s'ajouter, vient s'enrichir, mais en tout cas, il est très rare de voir disparaître un média. Peut-être pouvons-nous dire du 19e siècle qu'il fut la civilisation du journal. Peut-être que de ce point de vue-là, il n'y aura plus de journaux papier dans 5 ans. C'est une hypothèse sérieuse. Sur le livre, j'en suis moins sûr, mais on pourra en parler. En tout cas, l'indicateur ne le montre pas. Ce qui montre, c'est l'effondrement des pratiques de lecture, mais c'est autre chose. C'est une autre question. Ce qui peut disparaître, ce sont les supports. Ça, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, si on reprend l'industrie musicale, il y a des supports qui disparaissent ou dont on croit qu'ils disparaissent. C'est vraiment le meilleur exemple de résilience, en fait. D'un support, c'est le retour du vinyle. Pourquoi? Eh bien parce que contrairement à une l'opinion courante, ce progrès technologique est en fait une involution technique. C'est-à-dire que du vinyle au CD, du CD au MP3, nous sommes dans la cité de la musique, on peut le dire, on est dans un mouvement de dégradation des coûts. Qu'on nous présente comme un progrès, ce qui est d'évidence une compression des données et donc une dégradation du confort de l'écoute. Donc évidemment, dans ces conditions, il n'y a pas, c'est pas étonnant qu'il y ait une résilience, qu'il y ait une résurgence des supports anciens. Alors, c'est pour ça qu'en la matière, si on dit que la révolution numérique est là mieux, les objets qui ont révolutionné notre vie, ils sont déjà dans nos poches, et lorsqu'on observe des enfants, alors là pour le coup, des enfants qui sont nés avec l'ordinateur, ben, ils pensent naturellement avec lui, ou si on veut avec l'ordinateur, ou si on veut être pessimiste, pour lui. Voilà, donc ils sont déjà dans cette... culture, et je ne vois pas qu'au fond une révolution soit devant nous. Si vous me permettez encore une dernière précision générationnelle et professionnelle, en tant que historien, en tant qu'universitaire, je suis né en 1965, j'ai fait mes études dans les années 80. J'ai appris à utiliser le fichier papier de la Bibliothèque nationale de France. Je sais aussi maintenant me servir de tous les outils bibliographiques numériques, mais c'est comme ça que j'ai appris. Et donc, j'ai une pratique du livre qui est celle, non seulement de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mais en gros, d'un savant du 19e siècle. C'est-à-dire que, au fond, quand je commence mes études, j'ai comme objectif d'acquérir une familiarité avec les outils de travail qui sont ceux qu'ont inventé le 19e siècle académique.
Aujourd'hui, évidemment, j'ai ce savoir est inutile et je travaille avec des étudiants qui n'ont plus cette culture du livre et qui l'ont définitivement perdu. Définitivement. Ce qui peut nous inquiéter comme éditeurs, je pense que le réflexe, par exemple, l'idée que faire des études, c'est se constituer une bibliothèque, avec plaisir. Et que ça fait partie d'une formation, que c'est la vie même, et qu'à la fin, on verra, selon ses moyens, modestement, mais 60 cm de livre de poche, et on va se dire, ben voilà, c'est mon année, et qu'à la fin, on ne va pas les refourguer chez un solde pour un prix dérisoire qui ne désigne non pas le besoin économique, mais la haine du livre. Je peux dire tranquillement que j'enseigne à la Sorbonne à des gens qui peut-être aiment l'histoire, mais qui haïssent le livre, qui n'en veulent pas chez eux. Est-ce qu'ils connaissent mieux que moi les usages d'Internet? Ça, j'en suis pas certain. Parce qu'ils connaissent Internet comme tout le monde connaît Internet, c'est-à-dire qu'ils utilisent effectivement les moteurs de recherche, etc. Mais ils ne connaissent pas les outils savants pour Internet. Donc, c'est à moi de leur apprendre, et c'est à ça que je sais. C'est-à-dire d'avoir un usage critique, un usage distancié par rapport à Internet. Mais tout est compliqué parce que si je dis ça, vous voyez, je commence à fredonner le refrain décliniste, mort du livre, destruction des pratiques de la lecture, etc. Bon. En même temps, on sait bien que les jeunes aujourd'hui n'ont jamais autant lu et n'ont jamais autant écrit. Ils écrivent sur les claviers, une langue qui ne plaît peut-être pas aux pédagogues, enfin ils n'ont jamais autant écrit. Et donc cette question de la scripturalité, de la culture écrite, elle est très intéressante. Et on doit se poser aussi des questions sur notre propre pratique. Je suis historien, j'ai des choses à faire, je dois lire des livres, je dois écrire des articles, je dois faire des cours. Or, je pense pouvoir dire raisonnablement que je passe jamais moins de 2 heures par jour à faire des livres. Monstrueux. C'est une barbarie. Qu'est-ce que remplace ces 2 heures? Si ça remplace la relation épistolaire, alors tout va bien. Mais non, je ne faisais pas 2 heures de courrier par jour, et même si j'ajoute le téléphone, qui sonne moins, en tout cas qui sonne moins professionnellement, je n'avais pas 2 heures de correspondance par jour. Donc cela suppose que je fais des choses avec le mail que je ne faisais pas avant et qui ne ressortent pas de la catégorie de la correspondance. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un travail collectif? Est-ce que c'est une créativité supérieure? Oui, sans doute. Oui, sans doute. Je peux le dire de manière positive, mais, par exemple, j'ai fait un livre collectif qui s'appelle Histoire du monde au XXe siècle. J'ai 1000 pages, j'avais 70 auteurs, en 2 ans et demi, c'est assez bref. Je ne sais pas, non seulement je n'envisage pas, mais je ne sais même pas comment on pouvait faire un travail comme ça sans Internet. Non seulement pour contacter les gens, mais pour les repérer. Je n'avais pas d'idée. Si, je le sais parce que je fais de la bibliographie et je sais qu'il y a encore 20 ans, un livre comme ça aurait pris 10 ans. Donc, bien sûr que n'attendez pas de moi que j'entonne un lamento sur la destruction de notre temps de travail ou même de notre inventivité. Mais enfin, vous voyez que tout est assez compliqué par rapport aux jeunes. Est-il certain qu'ils lisent moins? Non, ils lisent différemment, etc. Bon, en quoi ça peut nous servir une réflexion historienne sur cette question? C'est là-dessus que je voudrais dire quelques mots pour terminer ce propos liminaire. Je suis historien, donc je l'ai dit. 15e, 16e siècle. Donc je sais, je crois savoir,
l'évolution de l'imprimé. D'abord, ce n'est pas une invention. C'est une innovation. Et l'innovation, on sait quand elle surgit, c'est quand on en a vraiment besoin. Donc les historiens savent que de toute façon, depuis une génération avant Gutenberg, depuis le début du 15e siècle, il y a une multiplication des usages. Donc il y a une société qui se met de plus en plus à lire, à écrire, à avoir besoin de textes. Textes, des copies à la main, etc. Jusqu'à un certain niveau, c'est ce qui est le plus rentable, et puis quand ça devient vraiment impossible, alors là, il y a une nécessité ardente à inventer quelque chose, et on n'invente jamais quelque chose que lorsqu'on en a réellement besoin. Bon. Mais une fois que l'imprimerie est donc inventée, et plus qu'inventée, diffusée socialement, dans les années 1450-1460, qu'est-ce que ça change? Au début, rien. Mais rien de rien. Est-ce que c'est révolutionnaire? Non. Les premiers livres qu'on imprime sont des blockbusters. C'est la Bible, c'est, voilà, c'est absolument pas des livres innovants. Pourquoi? Parce que ça coûte très cher, des investissements énormes. Donc, au départ, l'imprimerie ne fait que renforcer la culture dominante, renforcer le système du savoir-pouvoir de la domination. Parce que c'est très cher, ça ne résout rien, et donc au départ, on voit un nouveau média, qui se met au service des anciens savoirs. Ça peut durer très longtemps. Par exemple, l'écart entre diffusion entre la Chine et la Corée, qui inventent aussi des formes de typographie évolutive qu'on peut appeler l'imprimerie, et l'Europe sont très intéressantes parce que en Chine et en Corée, jusqu'au XVIIIe siècle au moins, et XIXe même, souvent, l'imprimerie sert d'une certaine manière à conforter une culture confucéenne classique, académique, mandarina, alors qu'au contraire, mais c'est un effet retard, c'est un effet de seuil en Europe, ça va finir par créer des nouveaux savoirs. Mais ça va finir pas. C'est très lent. Donc la révolution, elle a lieu, mais les nouveaux médias imitent les anciens, ce qu'on appelle les incunables. C'est-à-dire les livres qui sont imprimés entre 1470 et 1500. Ils sont imprimés en imitant les manuscrits. Et je peux vous assurer que vous pouvez même vous y tromper. Bon. Exactement comme les premiers... Du point de vue, par exemple, pédagogique, je n'ai rien vu aujourd'hui de bouleversant sur Internet, en CD-ROM, etc. Rien vu qui n'imite pas au fond de la vie. Voilà. C'est mieux, c'est plus pratique, c'est plus malin, la vidéo, mais globalement, dans le système de lecture et de représentation du monde, je peux maintenir que, du point de vue créatif, naturellement, du point de vue des jeux, ça va sans dire, mais du point de vue pédagogique, il n'y a pas d'écriture numérique. Il n'y a qu'une traduction numérique des pratiques courantes de l'écriture. On peut même dire que là encore, c'est une involution, parce que c'est au deuxième, troisième siècle après Jésus-Christ qu'on est passé du Rolex, c'est-à-dire du rouleau où lire s'est déroulé sous les yeux, au codex, c'est-à-dire au volume où lire s'est feuilleté, et que d'une certaine manière, pendant très longtemps, l'écriture sur écran a rétabli le déroulement de Et puis, on peut aussi voir plein de concordances des temps tout à fait amusantes. De quoi se plaignent amèrement les pédagogues, les formateurs, les enseignants? C'est de l'incapacité des jeunes, des étudiants, à respecter ce que Michel Foucault appelait la fonction auteur, c'est-à-dire d'assigner un énoncé à un monde. C'est-à-dire de prendre, de couper, de coller, de s'enfuir. Après tout, c'est comme ça qu'on fait la musique, c'est comme ça qu'on fait une fiche Wikipédia, on peut aussi continuer à faire comme ça des dissertations, puis des mémoires, puis des livres, et puis des articles de journaux. Où est le mal? Pendant très longtemps, on n'a pas vu le mal. La fonction auteur, comme disait
Michel Foucault, c'est-à-dire le fait d'assigner un énoncé à un nom propre et de croire que cet énoncé n'est valable que s'il est reconnaissable, un tel a dit que, c'est très nouveau. Ça date effectivement du 16e, 17e siècle, pas avant. Donc, peut-être que ce qui se referme sous nos yeux, c'est une parenthèse s'est ouverte assez récemment, à l'ordre classique, et qui se referme aujourd'hui. Donc, d'une certaine manière, le médiéviste que je suis n'est pas dépaysé dans notre monde d'aujourd'hui, puisque sur Internet circulent des énoncés sans nom d'auteur et qui ont qui ont de l'autorité, et que j'ai beaucoup de mal à expliquer à mes étudiants que non, c'est pas bien, il faut sourcer, etc. Non, ils ne vivent plus dans ce monde-là, ils vivent dans une sorte d'atelier collectif wiki, qui me fait penser effectivement à l'écriture médiévale. Et à ce moment-là, le passé peut être une ressource d'intelligibilité. À ce moment-là, je peux me souvenir que le mot auteur est un mot compliqué, qui peut vouloir dire trois choses au Moyen-Âge, qui peut vouloir dire ce qui fait autorité, auteur, auctoritas, ce qui autorise à parler. Dans ce cas-là, effectivement, la plupart des énoncés d'Internet sont sans auteur, c'est-à-dire ils s'autorisent de leur propre surgissement sans avoir se masquer sous donc une persona, c'est-à-dire un rôle. Mais justement, c'est l'autre étymologie d'auteur. Auctor viendrait, pour certains auteurs, d'acteur. Donc un auteur, c'est toujours quelqu'un qui prend la pose. C'est toujours quelqu'un qui, comme sur Internet, avance masqué, a un pseudonyme. Et donc, d'une certaine manière, si les énoncés sur Internet n'ont pas d'auteur au sens où d'auteurs qui autoriseraient de leur nom propre l'énoncé, eh bien, ce sont bien des acteurs, c'est-à-dire ce sont bien des personnes, des personas, au sens du masque, qui parlent. Mais la troisième étymologie qui est la plus fréquente, c'est que les médiévaux pensaient que l'auctor, l'auteur, c'est celui qui augure, c'est-à-dire qui augmente les actes. Et à que le savoir, il est général, il est partagé, il est diffusé. C'est pas l'individu qui pense, c'est l'humanité tout entière. C'est donc un savoir qui est dont le siège est collectif. Et un auteur, c'est celui qui ajoute à ce savoir collectif. Ça, c'est une très vieille idée. Une idée qui est vieille comme la civilisation gréco-romaine et que très naturellement la civilisation Internet reprend, voilà, avec ses valeurs qui sont des valeurs de solidarité et de gratuité. La question, et j'en termine là, la question étant de savoir à quelle société politiquement, cette révolution numérique, qui parce que c'est une révolution, est peut-être déjà terminée, qui parce que c'est une révolution au sens astronomique, ne fait que revenir à des temps anciens, à quelle société politiquement cette société travaille? Est-ce à une société qui va déjouer la domination, qui va court-circuiter cette extraordinaire rupture entre les gouvernants et les gouvernés dont je maintiens que jamais dans l'histoire elle n'a été aussi infranchissable. Et est-ce que effectivement la culture, les cultures numériques sont l'huile dans les rouages qui vont permettre à cette société d'être plus vivable? Et là, il y a toute une bibliothèque très sérieuse, qui vous explique les usages démocratiques d'Internet, en fonction de ce que je viens de dire d'ailleurs, c'est participatif, c'est pas autoritaire, ça permet de court-circuiter les pouvoirs, et vous voyez les révolutions arabes, et vous voyez Twitter, et vous voyez comme
Et puis, il y a un autre discours, au fond, tout aussi légitime, qui consiste à dire que la désintermédiation, c'est-à-dire la croyance qu'entre l'utilisateur et le savoir, eh bien, il n'y a rien. Et donc, le journaliste qui trie les informations, ça ne sert à rien. Le producteur de disques qui essaye de saisir quelle serait la musique de demain, ça ne sert à rien. Qu'une revue scientifique, ça ne sert à rien. Que les internautes, citoyens du monde, sont les mieux armés pour savoir ce qui les intéresse ici et maintenant, que ce système-là, c'est un système qui les livre pied et poing liés à des forces économiques, qui, c'est pas la peine de vous faire des dessins, sont d'autant plus prégnantes qu'elles sont peu visibles. Donc ces deux potentialités sont, à mon avis, également probables. Je ne vois pas au nom de quoi, logiquement, historiquement, philosophiquement, on pourrait dire d'un ton assuré, c'est plus comme ceci ou c'est plus comme cela. Ça peut, comme n'importe quelle révolution, la révolution, là encore, c'est le fil de rasoir, ou on peut tomber d'un côté ou de l'autre. Et c'est là, effectivement, la réflexion consiste à dire une révolution numérique, une mutation technologique n'est rien d'autre que les hommes et les femmes ensemble, en société, peuvent en faire. Et donc, d'une certaine manière, effectivement, c'est évidemment un appel à la responsabilité de chacun.